exprimer à l'issue de ce rendez-vous. On l'écoute. Je veux saluer d'abord ce qui s'est passé dans l'établissement. Vous l'allez, Schtroumpf. Permettre que les élèves soient confinés, soient mis à l'abri, la rapidité d'intervention des forces de sécurité. La ministre de l'Éducation nationale s'est rendue sur les lieux pour pouvoir apporter son soutien à la communauté éducative et aux élèves, à la proviseure notamment qui a été blessée, aux élèves aussi, sans qu'on en connaisse le nombre exact, mais il y a... Putain, quand j'avais 15 ans, c'est bon, je serais passé tous les jours à BHLTV. Visiblement sans gravité, et puis des blessures qui peuvent être dues aussi au mouvement de foule qu'il y a pu y avoir. Et puis sachez bien sûr, pour tous ceux qui sont concernés de près ou d'un petit peu plus loin, cette de crise a été activée à la préfecture de Nice, un numéro de téléphone 04... D'un petit histoire, ils te font tout un truc. 22 qui s'affiche sur votre écran pour toute information. Hein. Donc, si t'as les mecs, là. Concernés par les conséquences de ces coups de feu. Cette fusillade qui a éclaté... Quand ça s'appelle cognitif, non. La police et les pompiers sont rapidement intervenus sur les lieux. Les parents... Le Red, c'est la nouvelle série qui est là. ...de ce père de deux filles scolarisées. C'est le mur qui fait Donald, pour ceux qui comprennent rien. ...dans le lycée, et voilà, on est vite venu, j'ai été chercher ma femme, et on est venu voir ce qui se passait ici. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Oh, ben, de l'angoisse, parce que... C'est pas ça que je voulais, c'est ce qu'il disait Hollande. Escrozy. La grosse armoire à côté, on aurait dit que c'était le mec que je voulais. Tu m'as dit non. Tu veux dormir en prison ou tu veux dormir chez toi? Comment on réagit dans ces cas-là? On est obligé de rester calme et puis on essaie de rester en contact avec eux par SMS. D'accord. Vos filles, comment ça s'est passé pour elles? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Elles sont sauvées? C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Elles sont restées, elles ont suivi les ordres, elles sont restées enfermées dans les classes. Et pistolet à plomb, fusil à plomb, je tirais sur Jacques. Bon, il avait 2-3 cartouches. S'il n'y a pas de mort, c'est que c'était gentil. Plus, ils ont dit que c'était un fils du conseiller municipal ou régional. Le proviseur s'est interposé. Elle a entendu, vu des choses? Oui, elle a entendu, oui. Ce qu'elle m'a dit qu'elle a entendu, bon, après, il y a eu sang, des trucs comme ça, mais bon, ça va. Et quand on est parent, justement, que ça tout se passe est lié dans l'espace-temps. On s'imagine, on peut pas s'imaginer. Bah non, c'est vrai. Avant, ouais, à Grasse, avant d'aller à l'école Saint-Mathieu, c'était à l'école du pont de chemin de fer. Pour moi, tout s'est bien passé, mais, c'était l'école Sainte-Marthe. Et oui, cette question, hein, comment cet élève a pu pénétrer dans l'établissement lourdement armé, hein, on rappelle son arsenal, fusil, pistolet ou revolver, grenade d'entraînement, arme de poing, alors qu'on est en plein état d'urgence. Christian Estrosi, l'ancien élève polémique, il demande plus de moyens humains pour assurer la sécurité. 8 blessés au plomb, arme de poing, foutez-vous de ma gueule. C'est vrai, oui, là c'est cognitif, non, c'est comment ça s'appelle aujourd'hui, quand on... Ils ont fait le mur à la Donald, que je te dis. Enfin, ils sont en train. On y est, là. C'est même plus de la science-fiction, ça se passe. Il faut vraiment être débile pour continuer de voter pour des enculés pareils.